La dermite séboréique. Elle se développe dans les zones où la sécrétion de sébum est la plus importante. La dermite séboréique est caractérisée par des plaques rouges qui pèlent au visage et par des pellicules au niveau du cuir chevelu. La dermite séboréique touche 2% de la population avec un pic de fréquence entre 18 et 40 ans. Les hommes sont par ailleurs plus souvent touchés que les femmes. Le diagnostic repose sur l'examen du médecin. Aucun examen complémentaire n'est habituellement nécessaire. La dermite séboréique provoque des plaques rouges dont la surface pèle et des squames. Ces plaques peuvent provoquer des démangeaisons ou des brûlures. Les traitements atténuent et font disparaître temporairement les lésions. Un traitement d'entretien est nécessaire pour éviter une récidive rapide après le traitement d'attaque. Les objectifs du traitement sont de réduire le nombre de levures avec des antifongiques, de lutter contre l'inflammation avec des dermocorticoïdes et de lutter contre la sécrétion excessive de sébum. Le traitement est local et repose sur des crèmes, des shampoings ou des gels moussants.